Ce matin, en se levant, en se réveillant, et puis en sortant de chez soi, il a fallu marcher droit, il a fallu filer doux, il a fallu traverser dans les clous. Et pourtant, il y a parfois comme des envies de grimper aux arbres. Des retours d'enfance avec le printemps, de cache-cache, de cloche-pied. Des envies de traverser n'importe comment, de jeter son cartable par-dessus tête. De dire des conneries, d'éclater de rire, d'avoir le rouge aux joues. Des envies d'école buissonnière, des envies de printemps. Des envies d'embêter les fourmis, d'emmerder les soldats. Des envies de courir en criant, faire trop de bruit. Qu'on nous fasse taire, de ricaner. Des envies de disparaître, de s'évanouir, de s'effacer. De mettre un sens interdit sur la porte de sa chambre. Des petites envies qui montent leur nez comme ça. Quand l'extérieur est plus avenant, quand la fenêtre s'ouvre, quand les parents se détendent, et même quand on n'en a plus, quand c'est nous les parents. Dire aux parents, nous ta gueule. Des envies d'insolence, des envies de répondre, de fixer droit dans les yeux, mes 68. Des envies d'évasion, ouvrir la cage de la prison. Des oiseaux multicolores de s'envoler. Ça n'est pas de conséquence, pas de conséquence. Rien n'a d'importance. On s'amuse comme des enfants, pas d'argent, des échanges. On vole un peu, on chaparde. On court, on enjambe les haies. On se mouille, le cul, les pieds. C'est pas grave, on rentrera plus tard, quand on sera grand, quand on aura du poil aux pattes. On rentrera à la maison à ce moment-là. Mais seulement à ce moment-là. Seulement à ce moment-là.